Amateur de sport, bonsoir. L'ex-joueur étoile de la Ligue nationale de hockey, Daniel Brière, a lancé sa biographie aujourd'hui à Gatineau, sa ville natale. Le livre qui retrace la brillante carrière de celui que l'on surnomme Mr. Playoff a été écrit par le journaliste sportif de Radio-Canada, Martin Leclerc. On s'en va retrouver au complexe Branchot-Brière, notre journaliste Daniel Tremblay. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Alors Daniel, ça n'a jamais été facile pour Daniel Brière pour réussir au hockey et c'est ça qu'on apprend dans ce livre-là. Tout à fait Daniel, la force de la détermination, voilà comment on peut résumer la carrière de Daniel Brière qui a joué pour 5 équipes dans la Ligue nationale, dont les Flyers de Philadelphie et les Canadiens de Montréal. Détermination parce que Daniel Brière n'est pas très grand, 5 pieds 8, ce qui est peu considérant les critères de la Ligue nationale de hockey, mais malgré tout ça, il a réussi à percer dans la Ligue nationale, à devenir même un des joueurs les mieux payés, le joueur le mieux payé de la Ligue nationale une année avec les Flyers de Philadelphie. Et tout ça parce que même s'il était petit et il s'est fait dire, par exemple, lorsqu'il jouait au hockey mineur, lorsqu'il a joué au hockey majeur, au hockey junior, qu'il était trop petit, qu'il ne pourrait jamais percer dans la Ligue nationale. Alors voilà le résultat, un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey et il a réussi malgré sa petite taille. Donc, le message finalement de Daniel Brière qu'on retrouve dans ce livre-là, c'est lâchez pas et laissez-vous surtout pas décourager par qui que ce soit. Je regarde en arrière et je me dis si j'étais 6 pieds 3, 220 livres, je suis pas sûr que j'aurais eu la même détermination de survivre soir après soir ou à chaque niveau pour graduer jusqu'à la Ligue nationale. Donc, c'est ça qui m'a servi de motivation à me pousser. Donc, je regarde en arrière et c'était peut-être une bonne chose. Quand tu étais ici, Daniel a grandi en se faisant dire à chaque année, tu ne pourras pas te rendre à la prochaine étape, tu es un petit joueur, physiquement ça va être difficile, tu ne pourras pas jouer quand il va y avoir des mises en échec, tu ne seras pas capable de jouer midget 3A, junior majeur, ça ne fonctionnera pas. Et ça a été ça durant toute sa carrière et il a réussi ça, il a réussi à surmonter ça à chaque fois. Et Daniel, le livre sera disponible cette semaine pour ceux qui veulent se le procurer. Oui, ce jeudi, dans toutes les librairies à travers le Québec, ce livre de 300 pages avec des photos couleurs aussi de la carrière de Daniel Brière. Ce livre sera disponible donc à partir de jeudi. Et j'aimerais souligner, Daniel, la très grande gentillesse de Daniel Brière aujourd'hui qui a accepté de répondre aux nombreuses questions et passé beaucoup de temps avec les étudiants en journalisme du Collège de la Cité qui étaient venus le rencontrer. Alors, non seulement c'est un homme talentueux, mais aussi très gentil. Daniel Tremblay à Gatineau, merci. Je vous en prie, Daniel.